Ça fait un petit moment que j'avais envie de grimper avec des coinceurs Asteus. Je me suis intéressé à une voie magnifique qui s'appelle Black Bean, qui raye le mur de biographie, là, c'est le plus beau mur de la falaise. C'est une voie qui a été ouverte par Bruno Clément, c'est une voie sur Spit, c'est un 8B là, de 65 mètres. En fait, j'ai eu un déclic il y a 6 mois en testant des nouveaux coinceurs qui étaient très adaptés à la grimpe en calcaire. C'est un rocher qui n'est pas facile pour poser des coinceurs mécaniques. Et je me suis rappelé que dans Black Bean, il y avait quelques écailles, quelques trous. Et l'idée de partir du pied et de sortir après 70 mètres au plateau en ayant son propre matériel, j'ai trouvé que c'était assez fantastique. J'avais des doutes pour voir s'il y avait assez de protection sur toute la voie. Et puis il fallait que je teste les coinceurs, qu'ils soient suffisamment solides. Et finalement, j'ai trouvé 9 emplacements de coinceurs, à peu près sûrs. C'est pas du solo, par contre il y a des endroits où c'est sûr qu'il ne faut pas tomber. Mais quand j'ai décidé d'y aller, je me sentais bien et j'avais bien confiance en fait. Ça attaque par un bon pas de bloc là qui est protégé par des crash pads. Ensuite c'est un peu du solo, c'est pas très dur, c'est vers 7A, mais ça commence à être haut et à la fin il y a un grand move jusqu'à un trou. Là je place mes deux premiers points à 8 mètres du sol environ. C'est deux petits totem cam dans une petite fente, ils sont assez bons. Ensuite, c'est une section bien déversante et assez physique sur des colonnettes peu crochetantes. Jusqu'à un gros frein placé entre deux colos qui font office de fissure. Il n'est pas très stable, quand je grimpe au-dessus, il bouge un peu, mais de toute façon, il n'y a pas mieux à faire. Ici, les colonnettes sont plus fines, plus fragiles, je préfère mettre deux points. J'attaque une longue section sur des trous plats, la prochaine protection elle est à 6 mètres. Ici, il y a un vrai petit cadeau de la nature, un petit bracelet de rocher, a priori juste assez solide. La chaîne, c'est le relais de la première partie en 8A. Je mets deux câblés super béton que je renforcerai par deux petits totem cam. En fait, ici, c'est les premiers points d'assurage qui sont presque 100% sûrs. Ensuite, je tire les coinceurs qui vont servir pour le haut de la voie. Ici, normalement, c'est un repos, mais en hissant le matériel, j'en profite pas vraiment. Si j'avais grimpé avec tout le matos la première partie, je pense que ça m'aurait plus entamé. Steph, du coup, je te jette la corde et tu viendras m'assurer dessus. Steph, je vais clipper la corde du haut et après, je te largue la première corde. Ouais. C'est là que je vais défaire mon nœud et puis je te la largue.
Avec ce système de double corde, ça permet de partir pour la suite avec un minimum de tirage. Je pars pour 13 mouvements, bien dur, le premier crux de Black Bean. Dans ce trou, je place la seule protection possible sur 15 mètres. Ce qui est gênant, c'est que c'est l'unique prise de main et il faut aussi l'utiliser pour le pied. À cause du frein, j'attaque le deuxième crux sans vrai repos. Le deuxième crux se termine par une traversée délicate sur des toutes petites prises de pied. Un poil stressant parce que si je tombe ici et que le frein du dessous saute, il y a des grandes chances que je touche le sol. À cet endroit, en cas de chute, j'avais demandé à Steph de courir en bas dans la pente pour raccourcir la longueur de la corde. J'arrive à un vrai repos et surtout je mets deux freins vraiment béton, important pour la suite parce que le prochain emplacement est à 15 mètres. Cette longue section sans protection est très grisante, elle se déroule sur le plus beau rocher de Céuse et c'est autour de 7A+. J'arrive au dernier emplacement de coinceur, une écaille limite au niveau solidité, mais il n'y a pas d'autre option. Alors je fais au mieux, je cale un totem cam vert en bas de l'écaille, et puis deux petits totem cam en haut. Comme ça, au cas où je tombe et casse l'eau de l'écaille, celui du bas devrait faire joker. C'est le dernier crux, vers 7C, mais avec le tirage, c'est possible de se la coller. Ça se passe sur deux petits bidois et avec deux pieds moyens, il faut atteindre un bon plat. Après, c'est nettement moins difficile, vers 7A, mais je pense qu'il faut absolument pas tomber, sinon c'est parti pour plus de 30 mètres de chute, enfin si l'écaille tient. Et puis ça finit par quelques mètres faciles d'un des gradins jusqu'au plateau de Céuse.